Curieux voyageur. France 9. Bonjour. Namasté, comme on dit ici. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine, direction le Népal. Situé entre les plaines indiennes et les hauteurs de l'Himalaya, le Népal se reconstruit chaque jour après le séisme qui l'a profondément marqué en 2015, mais ça ne demeure pas moins un pays captivant. Trek, yoga, panorama, couper le souffle, détente partout, j'ai été touchée par ce pays et ses habitants. En me promenant au fil des routes, j'irai à la rencontre de ceux qui vivent ici. Allez, je vous embarque tout de suite au cœur de la vie et de la culture du Népal, où l'aventure est à portée de main et où le sourire règne en maître. Je pars pour une destination mythique et mystique, hors du temps, où la sérénité ressort en premier lieu. Capitale fascinante, mais l'une des plus polluées d'Asie, Katmandou est un bazar bien organisé et un musée d'architecture à ciel ouvert. Statues, temples, stupas, un pays empreint de spiritualité où bouddhisme et hindouisme cohabitent. Nous voici à Ramkot, un petit village à côté de Bandipur. Pour y accéder, il faut marcher 2 heures à pied. On m'avait dit, tu vas au Népal pour ses montagnes, tu y retournes pour ses habitants. Et ce n'est pas une légende. Le sourire est partout, même dans les conditions les plus dures. Very hard life, you know. Not relaxing, you know. Difficult but happy. Des conditions d'autant plus difficiles pour les femmes dans ce pays. Au cours d'expériences éclectiques, je découvrirai une vraie philosophie de vie. Allez, je vous emmène au Népal dans Curieux Voyageur. Curieux voyageurs au Népal, ce samedi à 20h39 sur France 9. France 9.